Bonjour à tous, et voilà une belle journée aujourd'hui, et je sors un peu de la maison parce qu'ici ouais, c'est encore dû à la pandémie en fait. Et comme vous voyez là devant vous, ça c'est le village flottant de Caibiao. C'est le plus grand et aussi le plus beau village flottant dans l'ensemble de la baie de Lanha, avec plus de 1000 personnes qui vivent sur l'eau. Et ce village est très vieux et ça date donc depuis 7000 ans jusqu'à maintenant. Les gens continuent aussi à vivre la même façon comme leurs ancêtres. Les gens ils font des élevages et des piscicultures voilà, en dessous de leur maison. Comme vous voyez, ce sont des viviers. Dans la journée, bah, les gens sont partis en plein mer pour pêcher les poissons. Les bateaux de pêche pêchent tout en fait. Donc, et comme vous voyez, le village, ça c'est bien beau là. Ouais, les gens continuent à vivre sur l'eau comme toujours. Mais avec la pandémie depuis 2 ans, donc la vie devient très difficile avec ces gens-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le poisson. Et le fait de nourrir les poissons, c'est très cher. Parce qu'il faut donner à manger aux poissons tous les jours, tandis que la nourriture est très chère et ils n'arrivent pas à vendre le poisson. Et maintenant il y a à peu près donc 400 000 tonnes de poissons dans ces villas là, et ça c'est un gros problème, et les pêcheurs ne savent pas encore comment faire pour les vendre parce qu'il y en a trop. Vous voyez là, c'est très beau. Le temps ressort bien après la tempête et le soleil commence à se lever pour réchauffer aussi les jours froids dans ce coin du monde. Quoi. Malgré tout, ce village reste toujours un très beau village à voir. Et il faut ne pas manquer ce village lors de votre visite au Vietnam, surtout lors de votre croisière. Commence à partir de l'île de Cat Ba. Et voilà, c'est à vous de contempler. Et bonne journée à tout le monde. Joyeux Noël et bonne année!